Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'NBA 2K15 avec le 8e épisode, si ma mémoire est bonne. Je sais pas trop comment on va faire. Est-ce qu'on va aller directement contre les Wizards? Bon, on va faire les Wizards et on va faire derrière, ça va être Atlanta. Allez, simulation jusqu'au match, victoire et on va jouer les Wizards. Et Washington Wizards, ça me paraît être une mode... Bonne mise en bouche, bien que peut-être un peu compliqué. Hein, ça fait moi une semaine que j'ai pas joué. J'espère que je vais pas mettre trop de temps à reprendre du moins le gameplay en main. Allez, c'est parti. J'ai amélioré un tout petit peu mon joueur. J'avais 9000 points là-haut. J'en ai profité pour améliorer encore un petit peu mon joueur. Vous le voyez, on n'est pas en face commentary aujourd'hui. Hein, j'avais plus de batterie dans la caméra. Je viens de faire juste avant les deux épisodes de PES 15. Alors, vous voyez cette vidéo, on est dimanche. Pour moi, on est mardi. Hein, donc, la semaine prochaine, il y aura encore des vidéos, sans souci. Par contre, la semaine d'après, il n'y aura pas de vidéo, tout simplement parce que je déménage. Donc ça va être compliqué pour moi de proposer des vidéos. Hein. Je déménage pendant le week-end, donc j'aurai pas de temps pendant ce week-end-là à consacrer aux vidéos. Donc il y aura une semaine sans vidéo sur ma chaîne et on reprendra tout doucement le rythme après. Au moins je vous proposerai les deux épisodes de Vers une légende. Un épisode ou deux de Destiny si je l'ai pas fini dans la semaine qui arrive. Mais voilà, le temps de vraiment m'installer dans ma nouvelle demeure, donc avec une toute nouvelle pièce rien que pour moi. Donc voilà, ça devrait être assez sympa. Bon, on n'a pas eu l'entre-deux. Écoute, les Wizards encore. Oh, bon ballon d'entrée de jeu là. Voilà, 2-0 pour Washington. Allez, on va essayer de bien jouer collectif. Allez hop. Ah joli. Et voilà, joli. J'ai très bien profité de trouver Jefferson au poste pour attaquer la raquette et il m'a mis un bon ballon et j'ai pu aller moi marquer les deux premiers points de la rencontre pour mon équipe du moins. Ah, c'est bien défendu pour le moment. Joli shoot et ça rentre. Et ça fait 4. Il était pas loin de la zone de 3 points. Alors voyons voir, on va demander le pick and roll. Elle vient le poser là. Oh la petite faute. Ouais, dommage, la passe était bonne, il aurait presque pu aller au panier. Mais là ouais, il y a grosse obstruction quand même. Le mec à aucun moment il va jouer le ballon. Il joue le bonhomme, il joue le physique. Et Jefferson qui est déstabilisé. Ça a l'air d'avoir marché. Allez, il faut qu'il marque celui-là. Voilà, c'est bon, 4-3. Il faut que je défende bien sur Wall. Ouais, bien. J'ai tenté le pickpocket, mais ça n'a pas fonctionné. Allez, faut qu'il loupe. Allez, ça rentre. Oh, les Washington Wizards qui sont en pleine confiance. Allez, on va demander un isolement rapide. Ah, ça rien. Hop. Allez, viens poser le pick and roll. Encore une fois. Et ça ne rentre pas. On a le rebond. On a perdu le rebond d'ailleurs. Ah, bien. Allez. Trois points. Oh, ça rentre pas. T'as pourtant, j'étais bien tranquille, bien tout seul. Oh, Mahomes, putain, facile. Putain, j'ai tenté de venir contrer.
Et on va en demander tactique intelligente là. Well, Randy Whitman gave me a few minutes to catch up with him. We talked about the impact players on these two teams, the ones who can take over. Ah, si, Williams. Allez, oh là 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 là, il s'est fait contrer. Michael Kidd-Gilchrist may already be in that category. He said he's a guy. Allez, mets-le. Voilà, très bien. Un petit dribble dans le dos qui m'a permis de me décaler de wall et d'avoir une position de shoot. Mais là, Williams, je l'avais bien trouvé, bien décalé. Il a trouvé le moyen d'aller se faire contrer au shoot. Et tu loupes, ouais, non, il marque. C'est un très très bon début de rencontre là, des Washington Wizards. Très bien, allez, tactique intelligente. Allez, Jefferson, il y va. Et il attire la faute. Donc il va avoir le 2 plus 1. Oh, il est pas du tout lancé franc là, Jefferson. Ah ouais, il ne compte pas laisser marquer l'adversaire, c'est étonnant là. Mais quand même. Oh, j'ai loupé. T'as une belle attaque du panier pourtant. Et j'ai loupé. Homme à homme. Ah, c'est pas moi qui ai le rebond, dommage. Hey, viens proposer le pic. Facile, allez, mets-le. Toujours pas. Ouais, Jefferson, il est à la ramasse. Il est à la ramasse complet. Il loupe tout ce qu'il entreprend. Et ça, c'est pénalisant pour mon équipe. Ah, j'avais bien joué, je l'ai bien trouvé tout seul. Il va falloir qu'il shoote un moment. Facile. Joli. Stephenson qui va tout seul. Non, décidément, offensivement, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. On a loupé déjà 3 ou 4 occasions là. Et défensivement, faut qu'on soit bon. Défensivement, on n'est pas si mal que ça, hein. C'est plus offensivement qu'on n'y est pas. Hey Williams. Kid Gilchrist, the pass to Williams. Some nice pass in here by Charlotte. Here's Shake and Bake. Six on the shot clock. Shoots it up. Allez, mets-le, hein. Voilà, facile. Bon mouvement. Très bien. Mon joueur est en pleine bourre. Mais c'est quand même compliqué. Il faut vraiment faire beaucoup beaucoup de travail pour réussir à amener une position de shoot marquée. Et il marque encore. Il va réussir à mettre un 3 points pour être bien. Et pour l'instant, j'essaie vraiment. And that's not the kind of streak you want to have if you're playing defense. Hey, bien, bien, voilà. Shake and bake. He has six. Stevenson outside. Pass to Shake and launches it. Et le shoot à 3 points. Et ça y est pas. Et ça ne rentre toujours pas. Offensivement, on n'est pas bon. Ouais. Oh, quelle défense. Quelle défense là. Pourtant, sur. Non, je tente un shoot. Ah, non, non, c'est pas bon du tout. On a vraiment fait une première période, du moins un premier quart-temps, complètement à l'envers. On a été, on est vraiment passé à travers de ce premier quart-temps. Ah, je suis sur le banc. C'est normal. Je rentre, il reste 1 minute 45. Très bien. Et Jefferson. Voilà, ça y est. Il serait temps que tu mettes un peu quelques paniers. On est revenu à 2 points, c'est bien. Ils ont fait un bon travail pendant que j'étais pas là. Alors, attention. Très attention à la défense encore.
Pas trop ce qu'il va faire. Il shoot. Ça rentre pas. On a le rebond. He certainly didn't take advantage of the poor defense, but they can't count on him to continue missing. No, that's for sure, because this guy's too good of a shooter to miss that look consistently. And a chance here to catch up with the. J'ai perdu le ballon comme un naze, comme un gros naze. Et voilà, ça m'apprendra à jouer plus collectivement la prochaine fois. Ah oui, oui, bah oui. J'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu la jouer beaucoup trop personnelle. Allez, très bien. Allez, bien poser un rôle là. Mets-le, hein. Non, mais c'est un sketch, oh. C'est un sketch, Jefferson. C'est un sketch. Il est tout seul, il marque pas. Tout à l'heure, il a un mec sur lui, il tire en fadeaway et il marque. Et là, il est tout seul, il est tranquille. Ouais, et là, mon joueur, il apprend pas. Voilà, il y a un problème. Voilà, contre-attaque réussie. Pas pris de risque. Ah, j'ai un bon défenseur quand même sur moi, c'est pas évident. Il va forcément faire quelque chose. Fasse attention à la règle en défense. Ah, c'est pas évident quand même là. Défendre bien comme il faut sur Wall. Et j'ai le rebond et on est à la fin. Bon. Ah, une première mi-temps compliquée pour moi, hein. J'ai pas eu beaucoup de possibilités. Ah, pas grand chose à changer. Peut-être un peu plus d'efficacité offensive, ça serait pas un mal. Allez, les poufs. Pour le moment, aucune instruction. Allez, très bien. Arjen Gorchat, the Polish hammer. We like him, I know, but the 57th pick back in 2005. He's just a quality starting center in the NBA. 6'11", center, can score and defend. Really a good pickup. Qu'est-ce qu'il va faire? Setting the floor for the Hornets. Et 3 points, il est dedans. Oh, le 3 points qui donne l'avantage au Charlotte. Ça, ça fait du bien. Washington shooting 43% for the game. Fais gaffe, tu tentes pas un shoot, Wall. Ouah, c'est étonnant là que mon joueur l'ait pas attrapé celle-là. Ah, j'ai le rebond, parfait. Hey Gilchrist, ressors. La perd pas, hein. Oh, pourquoi? Eh, j'ai pas le ballon dans les mains jusqu'au moment où le mec me bloque et derrière il me compte les 3 secondes. Ah, c'est particulier quand même là. Surtout que je l'avais ressorti. Hey, vous allez y arriver ou l'arbitre il est bugué. Ah, ça fait chier là. Une belle occasion. And Gortat, a strong finisher inside, can shoot out to about 15 feet. You could do a lot worse at the center. Fais gaffe à ma défense, moi. Faute de Williams. Et j'ai pas fait une passe décisive alors que je leur ai mis sur des positions de shoot 3 ou 4 fois. Et j'ai toujours pas un panier, du moins une passe décisive à mon effigie. Je ne prends pas les rebonds offensifs. N'inquiète pas. The backcourt is really the foundation for this franchise moving forward. Hey, lâche le ballon, voilà. There's a good screen. Passes it to Shaken Bake. Entre, hein. Ouais, très bien. J'ai bien servi de mon écran derrière. J'ai bien demandé le ballon. J'ai bien roulé, dira-t-on. And Beal with his great outside shooting, a nice compliment to John Wall. You know, you watch Wall, how much he's improved as a shooter, but he's best really attacking off the dribble with Beal spacing the floor. I think they make a nice 1-2 punch. 3 points. Oh, ça rentre pas. Dommage. Ah, j'avais tenté le vraiment le 3 points qui aurait permis de prendre un petit peu le large. Mais c'était un petit peu quand même optimiste. Et ça rentre pour eux. Les Washington Wizards qui prennent pas beaucoup de risques et qui marquent. Ouais,
Bien joué. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il tente, sans déconner. Ouais, Jefferson, il fait un 360 n'importe comment là. Il espérait quand même pas que ça allait passer ça. Oh, mais ouais, c'est une chèvre, Jefferson. Une vraie chèvre. Ah bah putain, un sur deux. Attends, pour être à égalité, maintenant on est mené. Mozgov comes in for Nene, and it's Webster in for Pierce. And Wall kicks to Beal. Back to Wall, lets it go from 11. Ça, il ne l'a pas compté. Webster passes to Wall, just five to shoot. Foul call that time. Ah, dommage, Jefferson qui fait la faute. Chances at the free throw line here. John Wall is becoming very efficient running. Bah, il me sauve moi de la pénalité d'avoir laissé marquer l'adversaire, mais il loupe. Ah non, il marque. Allez. Faut que j'arrive à faire quelque chose de pas mal moi. Allez, ailer au poste. C'est pas évident. Allez, viens. Ouais, ça rentre pas. Dommage, j'avais réussi à trouver l'accès au panier. Je suis en défense sur un grand là. Ça... Ouais, ouais, oui. Moi qui ai le rebond. J'ai un bon ballon. Bon ballon perdu de Gilchrist. Alors que j'y donne un super ballon de contre-attaque. Compliqué, très très dur là. Maintenant j'ai quelques rebonds pour avoir un petit peu, pour augmenter un petit peu mes stats. Ah, bien, allez, je suis bien en défense là. Bon, ah, dommage. J'ai voulu venir encore aider. I'm sure they didn't go into this one expecting to get battered like they have inside. It's Kid Gilchrist. Allez, viens, viens, viens s'il faut. 158 left to play here in the third. Pass to Neal. Lock at six. The Hornets need to get a shot off here. Il est joli. Et il est dedans surtout. Il est important ce panier. Il est très important. Il est dedans, il était quasiment sur le buzzer. Bon, c'est pas mal là. J'essaye d'utiliser un petit peu plus mon équipe. C'est pas évident. Bon là, je ne rentrerai pas à mon avis avant la fin. Voilà, 10 secondes. Non, il va shooter. Voilà. Je rentrerai dans le quatrième carton. Au moins au tout début du quatrième. J'ai pas regardé le score à la fin là du troisième. On va voir un petit peu. Marc, quand tu es à l'avantage, crée des occasions de tir pour les autres si la défense se concentre sur toi. Et on est derrière à un point. Allez, il va falloir que j'arrive moi. Et il marque. Bien vu. Très bien vu là de la part de Wall. Elle a demandé un rôle. Et Williams marque. Ouais, mais c'est pas possible. Et ils ont des problèmes, les mecs. Dès que c'est moi qui fais une passe, ils marquent pas. Le mec, il est tout seul. Ils veulent pas marquer. Hein. Ouah, j'ai loupé. Et boum! Oh là 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 là! Oh, la main sur la. Oh, j'ai mis la main sur l'arceau. Oh, j'ai loupé le dunk. Oh, le dunk que j'ai loupé là. Qu'il est dur celui-là à encaisser, de louper ça.
Ils vont arriver à la fin du temps. Il va falloir qu'ils shootent un moment. Et ça marque. Et il marque. Putain, je suis vert d'avoir loupé ce dunk là. Ah, très bien. Allez, imposez ton rôle. Joli. Ah bah quand même, une passe décisive. Oh, elle fait du bien celle-là. Ils sont venus faire la prise à deux. Et ça a fonctionné parce que j'ai pu décaler quelqu'un. Il va en fait louer. Et j'ai le rebond. Et très bien, très bien. Il a posé un écran là, Stephenson. Où c'est qui c'est? Jefferson encore. Et ça rentre. C'est bon ça. Facile. La passe décisive est bonne. Voilà, j'essaye de vraiment jouer collectivement sur cette fin de match là. Pour essayer d'amener mon équipe au bout. C'est ce qui m'a été demandé quelque part aussi. En plus, je prends du rebond. Il faut qu'il loupe. Oh, j'ai pas pu prendre le rebond. Bizarre quand même là. Ah, ça va. Ah, je suis bien en place défensivement. Joli, Walker, faute sur tir. Kemba Walker picks one up. Andre Miller with 15 seasons under his belt. He says he thinks he could play until he's 40. Allez, tu loupes. Ah, il marque. Mener l'attaque avec toi. Et j'ai fait deux passes décisives. Je passe de A moins à B. C'est énorme quand même. And Andre Miller is really a crafty ball handler. It's amazing. Tranquille, allez. Tactique. Without being a high flyer, without being super fast. What he is highly skilled. C'est le moment qu'il crie. Durable, uses changes of speed and the strength he has. Ah, tenter le rôle. Well, as a post up guard and also in being able to play through contact. Marque, hein. Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Ah, j'ai beau faire des beaux trucs, des bons trucs collectivement pour essayer d'amener un peu d'efficacité, libérer mes partenaires. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Joli. Non, il veut pas. Oh, Gilchrist. Ah, il veut vraiment que j'y aille dans sa zone là-bas. Heureusement qu'il marque. Ah, il voulait vraiment que je suive la tactique. Hein. J'aurais dû aller au bout là-bas. Ah, t'es mort. Pour ça que j'ai pas bougé. J'ai bien entendu. Pas si je vais revenir sur le terrain. Mais la pression, pas de tir à 3 points. Ah, dommage. J'ai voulu venir, hein. La mettre la pression. Joli. Ouais, presque me compter quand même la belle défense là. Marque, hein. Oui, voilà, bien vu. On prend l'avantage au meilleur des moments. Ah, ma défense était belle sur Wall. Je suis étonné quand même qu'il me le compte pas. Très bien. Ah, par contre, derrière, ça marque. Allez, venez là. On va demander un isolement. Voilà, nickel. Vas-y, Gilchrist. Non. Ça, j'ai pas. Le ballon est pas tout à fait perdu. Joli. Bien décalé et je récupère. Parfait. Je me rattrape bien de ma balle perdue. Ça nous permet d'avoir 2 points d'avance. Toujours pareil. Très bien, voilà. Essayez, très bien. Eh, joli. Dommage. Très dommage, là, j'ai pas réussi à défendre comme il faut. Ah, bien ressorti. Et Gilchrist. Oh, dommage, il y a faute là. Oh, passage en force.
That is his first foul of the game. Great defense. He anticipated the play and got there. Aïe, 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 il le fait pas au bon moment. Ah, c'est compliqué. 51-51. Wesh. Belle défense. Ah, j'essaie de bien. Oh, j'essaie encore une fois de bien défendre. C'est pas évident. Et boum! Oh, il est beau celui-là. Le dunk avec la passe décisive. Bien amené. Avec mes deux partenaires qui ont bien amené la défense des Wizards dans l'axe. Ça m'a permis de décaler moi. Faut qu'il loupe. Très bien. La faute. Allez, faut que je mette mon lancer franc. Ah, il n'y en aura pas. Pas encore. Allez, faute. Là, il y aura du lancer franc. Allez, faut que tu marques, Stephenson. Parfait. Allez, on a 4 points d'avance. C'est une bonne chose. Là, je pense que je vais sortir. Mais non, je suis encore sur le terrain. C'est parfait, ça. Est-ce qu'il va tenter, Wall? Il va tenter d'y aller ou pas? Eh, ça marque. Il y aura 10 secondes après. Il faudra que je sois bon. Pendant ces 10 secondes, il va y avoir, à mon avis, une défense tout terrain. Voilà. Moi, faut que je mette mes lancers francs. Ah, joli. Et parfait. Deux fois, c'est bon ça. Allez, tu loupes. Voilà, comme ça, la victoire, elle est là. Ah bah écoutez, bonne, à moins, B+, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai quand même fait une belle prestation. J'ai dû mettre 15 points. Oui. All right, all right, all right. It's one thing to know that you are the best in the league. But it's another thing to prove it on the court, night after night after night. C'est ça. Check this out. We doing what we supposed to do, beating who we supposed to be. It doesn't matter unless we play well during the playoffs. True, but it still feels pretty good now, doesn't it? Yeah, it does. Ah, on n'aura pas vu un bon Jefferson pendant ce match. C'est dommage parce que sinon, si vraiment Jefferson avait mis toutes les occasions que j'y ai données, il aurait eu un paquet de points à son effigie et moins un paquet de passes décisives. Et ça, au final, ça fout quand même pas mal les boules. Même ça fout vraiment, vraiment les boules. Salle d'entraînement, qu'est-ce qu'il veut ? I don't care if you're in grade school or the NBA. This game is all about solid fundamentals. Let's get some extra work in here. Gotta get better every day. Allez, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Le but du tour du monde est de marquer les 3 points depuis des endroits précis autour de... Ok. Vous ratez un panier, vous pouvez hein, continuer. Le premier tireur à faire le tour du monde, aller-retour, gagne. Ok. Ouf.
Ok, très bien. C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est dur là. Oh, c'est dedans aussi. Ouh. C'est plutôt pas mal à 3 points. Je crois que j'ai trouvé le timing. Et court. Et non, ça rentre. Et c'est bon. Où est-ce qu'il a pris là? Ouh, il a pris la mise là. Ok, j'ai loupé le premier, mais alors derrière, il a vraiment pris très cher. That's what I'm talking about. Good effort yields great results every time. Way to work. Merci, coach. Ouais, ça fait plaisir, ça. Fait du bien de mettre des 3 points comme ça. Hein. Bon, par contre, derrière, pas super. Hein. C'est dans les matchs après qu'il faudrait que j'arrive à en mettre un peu plus. Pourtant, j'ai quand même de bonnes stats. Alors, félicitations. Amélioration débloquée. Vos efforts ont fini par payer. Allez au menu des attributs et passez à l'étape suivante pour créer mon joueur unique. Nouvelle amélioration débloquée. Je vois pas. Au menu des attributs et passez à l'étape suivante. Ok. Ah, je vois pas trop le truc là. On va voir, hein. On va y aller, on va voir un peu ce que ça veut dire. J'ai un peu de mal à voir ce que veut dire ce truc là. Bon, toujours ces chargements très longs quand même. Alors, amélioration. Alors, est-ce que c'est bonus? Bah non. Ah voilà, c'est pas ça. Alors, attribut. Bah non, c'est toujours. Honnêtement, je vois pas. Je vois pas où il y a une espèce de truc là, passer à l'étape suivante ou. Honnêtement, j'ai du mal. Donc, c'est pas là-dedans. Bon. Allez, prochain match contre Atlanta. On va le faire. Peut-être que ça me permettra de faire un match un petit peu plus plein. Il faut que je prenne un petit peu plus mon temps en phase offensive et essayer de laisser le temps à l'IA de lancer ses tactiques. D'aussi réussir à lire les tactiques, c'est important. Autant dans le foot, j'y arrive assez facilement. Que j'avoue que sur le basket, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'ai un petit peu plus de mal à lire les tactiques basket. Mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Allez, allez. Ah, c'est vrai que c'est fou, ces chargements là qui durent 3 jours sur NBA. C'est assez pénalisant. Allez, 99%. Et on va, on joue à la maison. Contre l'Atalanta. Non, pas l'Atalanta. L'Atalanta, c'est au foot, c'est contre Atlanta. Et Jefferson, tu réussis à avoir un entre deux? Eh ben, toujours pas. Mais décidément. Eh ben, l'entrée de jeu là. On l'a pas pris, heureusement. Allez, viens. Viens poser le rôle. Oh, le ballon contré, non, ça va. Joli. Eh, c'est dedans. Heureusement, il ne compte pas le ballon perdu. Heureusement que là, Jefferson a bien récupéré ma passe qui était pas bonne. Sinon, ça aurait fait un ballon perdu d'entrée de jeu. J'essaye de bien défendre, c'est pas simple. Bon, c'est chaud là. Ça va. Allez, donne-moi le ballon. Voilà, très bien.
On defense, Atlanta. They come in fresh off a win against the Heat. That was a heck of a performance for them offensively. There were some stretches there where it just seemed like everything. La passe décisive, la première de cette rencontre sur Williams. Parfait. Là, j'ai bien suivi la tactique. Il a fait un bon pic. Derrière, il a bien bougé. Wow, dommage. J'avais réussi à y piquer le ballon. Hein. Là, je l'ai bien fait, le pickpocket, juste au moment où il... Ah ben, j'ai réussi. Où il fait rebondir le ballon. Joli Stephenson, il y va tout seul. Ah non, ça suffit pas. J'essaie de... Oh, j'ai voulu y aller, hein. Contre la belle défense, parce que j'ai vraiment tout donné pour aller me jeter dessus, mais ça n'a pas été évident. Hein. Et dégage. Et rentre. Oh non, dommage. Putain, la feinte avait fonctionné, il avait sauté. Par contre, ça serait bien qu'il... Ouais, j'ai dit, ça serait bien qu'il ne change pas de joueur. And here is Teague. Très bien. He picked up 15 points in their last win against Miami. Shot clock at 6. Non, non, ah, j'ai sauté pour rien. Et on aura le rebond ou pas? Non. Ouais, hein, même pas aucune récupération, rien. Now here's Teague. Tight defense on him. Pass to Korver. Très bien défendu encore une fois là. Et il loupe. Ah non, il rentre. Ce coup-ci, ça marque. 4 partout. Horford's got his first points of the game. You know, that's a case there, Kevin, of him making a pass to a spot, and then he let his teammate run. Facile. Oh là là, dommage. Le reverse qui était passé, qui m'avait permis d'éliminer Teague. Et ça avait fonctionné, et j'ai voulu faire la finition layup. Ça, par contre, ça a été beaucoup moins bien. Ah, Teague, il va demander le ballon vraiment très bas là-bas. Oh, bien joué. Et c'est moi qui prends le rebond. Et j'allais dire, j'ai le droit à un écran ou pas? Un moment, parce que je le demande, donc. Allez, ballon perdu. Eh oui, très mal joué. Bien, ça va. Bien. Vas-y, change-moi encore. Ah, ballon dévié. Là, j'arrive à peu près à me sauver là-dessus. Là, il va tenter, il va pas tenter une passe qui traverse le terrain. Ça m'aurait étonné aussi. You know, it's one thing to be able to create high quality shots for yourself, but you still have to finish. And there's no doubt. Et boum, une belle passe décisive. C'est bien amené encore une fois. Là, j'essaye de bien jouer collectivement. Pour le moment, moi offensivement, c'est pas top. Mais le plus important, c'est le collectif et c'est l'équipe. Il faut qu'on gagne. Allez, vas-y. Ah, joli. Encore un super dunk de Kidd. Bon, voilà, Atlanta qui est en train quand même de prendre une belle dérouillée. Ah, joli, c'est dedans. C'est très bien joué. Charlotte leading by four. You know, the issue really with Atlanta. Allez, on continue, on va faire le mouvement complet qui me demande. Facile. Oh, joli. Très très bien fait. Le petit cross arrière encore une fois là qui me donne mes deux premiers points de la rencontre. Nickel. Ah, écoutez, deux points, un rebond, deux passes décisives, c'est pas mal pour ce premier carton. Aucune instruction comme d'hab. Faut pas que je recule de trop. Ouais, sur base mort. Faut que je défende bien. Ouais, ça rentre, y'a rien à dire. C'est bien amené, ça va jusqu'au bout.
And with Atlanta, as you said, for a while now they've been a playoff caliber team, but making that next step. Eh bien, viens me faire l'écran. Zeller. Eh dommage, Zeller ça rentre pas. Mais la passe à main, la faute est quand même là. Ouais, il joue pas du tout le ballon, voilà, il le pousse carrément quand il est dans son appel en l'air. Ouais, Zeller. Putain, que ce soit Zeller ou Jefferson, ça veut pas, hein. Ils ont du mal avec leur premier lancer franc. Et le deuxième est dedans. Allez, 5 points d'avance. On est à l'abri. Les deux possessions à 2 points. Ah, bien, voilà. La défense n'est pas évidente là sur Bazemore. Il bouge beaucoup plus. Ah oui, laissez marquer l'adversaire tout de suite. Charlotte leading by 3. Walker the pass to Shaken. Ah, rien voir. Hop, reviens, tranquille. Ah la bonhomme. And there's the pass to Zeller. It's tipped. Ah non, dommage. Ah, Zeller qui a perdu le ballon. Bon, c'était la fin, donc peut-être pour ça qu'il a essayé de me faire la passe. Allez, on laisse nos poufs faire le spectacle. Moi, je suis sur le banc. Prends du temps pour toi, effectue des tirs lucides. On a 4 points d'avance. Mais qu'il faut que je joue sereinement en attaque. Bien. Pour le moment, la défense qui tient bien contre Teague. Ouais, je défends bien. Non, j'ai pas pris le rebond. Eh, c'est pas dedans. C'est dommage, mais on a le rebond, ça va, ça rentre. Ah, là-bas, j'ai demandé le... Putain, je comprends pas, parce que j'avais demandé le alley-oop. Pas trop compris pourquoi mon joueur l'avait pas fait, là. Au contraire, c'était une position parfaite pour un alley-oop. Allez, Teague. Dommage qu'il ne m'ait pas laissé sur Teague. J'avais pris le dessus défensivement sur lui. Il va forcément shooter à un moment. Et ça rentre quand même, hein. Il n'était pas forcément en bonne position. Allez, on va. Viens poser un écran. Facile. Oh, et c'est pas dedans. C'est dommage. Ça aurait pu faire un 2 plus 1. Voilà, nickel. Un peu tôt quand même. Faut que je fasse attention au deuxième. Eh, ça rentre pas. Ce coup-ci, c'était un peu tard. Bien. Très bien défendu là. Attention, il va essayer de m'amener. Je suis où, moi, en défense là? Je suis plus trop. Ah, faut que je défende bien. C'est pas évident, hein. Faut que je bloque bien. Allez, tranquille, tranquille, Zeller. Oh, il a touché le fond du panneau. Oh, patience en attaque. Honnêtement, j'ai du mal avec la notion de du coach là. Ok, guys. Parce que franchement, j'ai pas l'impression d'avoir fait n'importe quoi. J'ai pas shooté rapidement, je l'ai plutôt bien joué. Prends du temps pour toi, effectue des tirs lucides. Bah, si. Bien joué. Hey, Stephenson, où il est passé? Et Jefferson, allez, ça rentre, ça va. Allez, c'est très bien là. La bonne défense, hein. Ah, oh, dommage, c'est rentré. J'ai bien gêné Teague. Il dit, j'ai pris le dessus, moi, collectivement, du moins.
Following the basket by Paul Millsap. Here's shake and bake. Ah, facile. Ouh, le 2 plus 1. Peut-être. Putain, j'ai voulu aller au dunker. Ah, parfait. Il est là, le 2 plus 1. Ah, j'avais réussi à mettre tic sur le cul. Ah, c'est bien. J'ai voulu tenter à nouveau un pickpocket. Et je prends le rebond. Et boum! Oh, il est beau celui-là. Il est magnifique ce dunk. Je l'ai bien vu. Je l'avais vu, Stephenson, partir. C'était bien vu. Allez, allez, allez. Très bien. Il va ressortir là-bas. Peut-être même plus loin. Il va essayer de demander le ballon. Oh, je suis passé. Ah oui, 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 je me suis fait avoir. J'ai sauté beaucoup trop tôt. Ah, dommage. Voilà, à mon avis, je vais sortir. Non, mais la pression, pas de tir à 3 points, ok. Très bien. Allez, viens. Viens poser un rôle là. Ah, très bien. Hey, Kid. Non, eh oui. Ballon perdu. J'ai tenté de défendre, ça va pas être évident. Et ça rentre, et ça rentre. Non, oh, là j'ai pas été bon. Mais il me compte la belle défense, heureusement. Ça me sauve un peu. Allez, isolement rapide. Allez, viens. Ouais, très bien. Là, j'ai fait encore une fois le petit cross arrière pour m'amener à ma position de shoot. Et il fallait, sinon j'étais pas bien. L'isolement avait réussi, mais Tig avait pas du tout plongé dans mon dans le fait de faire mon dribble dans le dos. Doris Burke has an update for us. Ouais. Oh oui, bah oui, bah, contre raté. J'ai qu'à sauter n'importe comment, moi. Par contre, faut qu'il arrête. Ah oui, bah oui. Et il me change deux fois, là, de joueur. Deux fois, il m'a changé de défenseur. Très bien. Et Neil. Je vais Gilchrist. Ça rentre, facile. Passe décisive de plus. Voilà, très bien. 8 points d'avance. Très bien, pour le moment j'essaye de vraiment bien défendre. Tout à l'heure ça s'est loupé parce qu'il m'a changé 3 fois de mec. Il me fera pas à chaque fois. Oh, très bien joué. Très très belle attaque là. Magnifiquement amené. Facile. Bon mouvement. Le reverse qui m'amène au panier. Écoutez, c'est parfait là pour le moment. Ouh là 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 là. Allez, ça rentre. Ah, ouais. Je vais tenter le pickpocket, c'est osé. Et on va voir un petit peu. On va tenter un petit Jefferson au poste. Oh, mais non, décidément, il ne veut vraiment, vraiment pas marquer Jefferson. Bien que celui-là n'était pas forcément très simple, mais quand même. C'est bien joué. Que c'est bien joué. Oh, il m'a déposé complètement. Je ne l'ai pas du tout suivi. J'étais en train de suivre le ballon, moi, plus que le joueur. Facile. Oh là 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 là. Putain, pourtant, j'arrive à faire de jolis trucs en attaque. Là, le petit cross qui m'a permis d'éliminer mon défenseur. Mais derrière, là, c'est en défense que ça pêche un peu. J'arrête d'essayer d'y piquer le ballon des mains. Ça marche moyen dans ce touquet. Par contre, là, bien joué. Rien à dire.
Allez, on va demander une tactique intelligente. Need to get more bodies committed down low. Here's Neal, averaging 8. Qu'est-ce qu'il va faire, Neal? Jefferson. Now, Kid Gilchrist. And Neal kicks to Jefferson. Shot clock at 3. Good on the base. Ah, joli. J'étais venu, hein, quand même. On sait jamais au rebond. Whatever their plan was defensively that time, it didn't work. S'il avait loupé. Bon, par contre, faut pas trop que j'y laisse de champ libre. Here's Mac. Oh là 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 là, le tir en fadeaway facile, très facile celui-là. Non, ah, j'ai pas compris pourquoi il avait pas fait la passe, parce que je sais que j'ai attaqué le layup, mais derrière j'avais enchaîné avec une passe, je l'avais vu sur le côté. Ah, bref, ouais, je tente. Le mec il garde le ballon. J'aime pas ça, ça me saoule en fait. Le mec il garde le ballon comme ça là, pendant des plombes. Eldon Brands checked in for Millsap. Ken Bazemore comes in for Kyle Korver. And it's Teague in for Mac. Now here's Teague. He's got 8 and a missed layup. That's terrific. Tu fais piquer le ballon sous le panier. You know, when he's in that tight with that kind of height advantage over the defender. Et Walker. Il shoot. Et ça rentre pas. Bon, on a 2 points d'avance. On a plus que 2 points d'avance, même, je dirais. Là, on n'a pas été. On n'a pas été super efficace. Alors, hop. Continuons. And now we have a moment to reveal our State Farm assist of the game. This was such a pretty pass, Kevin. A beautiful assist, and of course it turned into the easy pass. On voit les belles actions là. Just a gorgeous play there. Allez, toujours aucune instruction pour le moment. Il faut que j'arrive à... Il faut que je me reprenne défensivement et offensivement. Al Jefferson out there with Marvin Williams. And there's Kemba Walker. And it's Stevenson in at the three slot. Ça va forcément bloquer pour essayer de faire passer. Voilà. C'est très bien joué. Très bien joué. Ma défense suit pas. On va voir qu'on va réussir à se faire reprendre. Non, l'écran là, il a servi à rien. Walker marque. Hein. Ouais, très bien. Il fallait. Heureusement qu'on a marqué. Faut que je décale. Teague with the ball. He's picked up by Walker. Allez, c'est bien. Heureusement qu'il lui met pas parce qu'il est bien attaqué là. Brand sets a screen for Teague. Teague qui garde beaucoup le ballon. Et il y va. Et ça rentre pas. Jefferson's got 3 rebounds so far in the game. Hey Walker. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez Stephenson. Qui marque. Oh, il marque pas. Mais il y a faute de Teague sur Stephenson. Ça nous donne l'opportunité d'essayer de mettre 2 points de plus. Allez, moi, il me fait sortir. Est-ce qu'il va me faire re-rentrer? Ouais. Il va me faire re-rentrer. En plus, il restera 4 minutes. Ça sera pas mal. Il tente une défense tout-terrain déjà. Walker. Outside, Walker. Outside, Kid Gilchrist. Allez, Gilchrist. Ouais, je veux dire, si là il shoot, honnêtement, j'ai les boules. He kicks it to Stevenson. Et Stephenson. Ah, il est loin. Il va tenter d'y aller. Walker, le shoot à 3 points. Et ça rentre pas. C'est dommage. À 6 points d'avance. Il faut que j'arrive au moins à avoir la note de A. Mais il faut que je me reprenne pour ça, que ce soit collectivement ou individuellement. Parce que là j'ai fait de la merde pendant un petit moment. J'essaie de défendre, c'est pas évident là. Ouais. Bien vu. S'il rentre, c'était bien vu. Et hop, j'y suis là. Très bien. Très bien. Il est dedans, il est pas dedans, dommage. Ah, j'ai loupé une belle occasion.
de mettre 2 points de plus pour mon équipe. Ça aurait fait du bien. Ça aurait quand même donné un bel... Oh oui, bah oui. Pourquoi il n'y a personne qui va dessus? Le mec, il est tout seul sous le panier. Tranquille, rien à dire. Clark, if the D continues to clear out like that and give up easy dunks. Yeah, that's the kind of defense we expect to see in a ball out, Kevin, or even an exhibition game, not a close game like this. And you know how frustrated Steve is over there. Well, I just... Oh, le salaud, oui. C'est à moi qui dois la mettre. Jamais à mon partenaire, là. Here's Corver. Can't hit. Nice. Belle défense. Je peux me la compter, celle-là. J'ai donné. Hein. Tranquille, tranquille. Stephenson va pas la perdre. Allez, on va demander l'écran. Allez, Jefferson marque. Dommage. Préférez qu'il tente un shoot plutôt que d'essayer de s'approcher du panier. Mais bon, il récupère quand même les lancers francs. C'est pas mal. Il loupe encore, hein. C'est un truc de malade, hein. Allez, mais. Oh là là, les deux. Du coup, on a toujours 4 points d'avance. Il se retrouve quand même un peu. Hop, un peu trop facilement, tout seul. L'adversaire, je trouve, moi. J'ai vraiment voulu bloquer, hein. Tant pis, j'ai sauté dans le vide là, mais. Hey, Tig, il loupe. Ah, nickel. Mais moi, tant pis. Allez. Donc, pas grand chose là. Défend prudemment, pas de prise de risque, pas de faute. Oui, facile. Encore une fois, le petit cross arrière qui m'amène facilement à ma position de shoot. Défend prudemment, pas de prise de risque, pas de faute. On a 6 points d'avance, c'est sûr que là, il faut défendre tranquillement. Je me suis fait bloquer par mon joueur, par un de mes joueurs, quoi. On demande un rôle. On va essayer d'aller au bout du temps. Ah, mais. Oh, il perd tous les ballons, Jefferson. Tous les ballons. C'est une catastrophe. Ah, ouais, voilà. Super. Il revient à 2 points. Alors, on va essayer de temporiser. Tranquille, tranquille. On va temporiser. Hein, parce que là. Ah, très bien. Imposer un pic. Allez, je pose. Je le reprends bien. Oh, c'est dedans. C'est magnifique. Oh, je suis allé jusqu'au bout du temps. Il fallait, ça fait du bien. Ah, la faute de Jefferson. Je sais pas si elle est très très utile. Mais elle est là quand même. Allez, il loupe. Ah, j'avais bien joué, on avait bien amené, tout bien construit, j'ai bien ressorti le ballon, on m'a retrouvé pour une bonne position de shoot. Faute, ah, dommage. Carole, il n'a pas pu me trouver tout de suite, hein, sinon j'allais au dunk. Allez, si tu mets, c'est fini. Hey, Williams. Ok, c'est bon. 5 points à 30 secondes. Ah, dommage. Ah, tranquille, tranquille. Voilà, bien. Ah, moi, il m'amène à la faute, il n'y a pas de problème. Eh, ça rentre. C'était chaud, hein. Parfait. Hop là. 23 secondes, il y aura encore une possession. Ils vont demander un temps mort pour essayer de se retrouver devant, non? Défendre prudemment, pas de prise de risque.
Biombo, he's checked in for Jefferson. Zeller comes in for Williams. Gary Neal's checked in. J'ai dit, il faut pas marquer. And Brian Roberts subbed in for Lance Stevenson. Ouais, boum! Allez, ouh! Oh, qu'il est beau celui-là! Ma petite passe en cloche et blaou! Il est magnifique celui-là! Ouh, la finition à l'hoop qui fait du bien! Ah, il marque! Dommage, on va avoir 6 secondes. Ils vont tenter une défense encore tout terrain. Et je vais finir layup, le tir à la dernière seconde, et voilà, c'est parfait. Et c'est nickel. Oh, il est pas passé loin de la mettre. Non, c'est plus. J'ai pas pris un seul risque. Ouah, il m'en veut le coach. Hein. Le coach m'en veut beaucoup. Hein. Un joueur du match, je pense que c'est moi. Ah, bien sûr. Ah bah écoutez, voilà qui va conclure cet épisode, un bon épisode de basket. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc dimanche prochain avec un nouvel épisode de NBA 2K15. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde.